Bon, les amis, aujourd'hui je vais faire un urbex, on y est. Faudra que je marche un petit peu. C'est parti, on va commencer. Je vais faire un urbex tout seul là, c'est trop. Vous allez pas voir pour l'instant, je pense, la maison, mais il y a personne qui y vit, je crois. Hein, parce qu'on a déjà. Wow, j'ai glissé. Oh la vache. Attendez, parce que là, si je regarde pas le chemin, je vais me croûter facilement. J'ai des chaussures, des nouvelles chaussures. J'ai trop. Ouais, j'ai trop le seum. Regardez. Wesh. J'ai des nouvelles chaussures. Mes nouvelles chaussures, elles sont déjà dégueulasses. J'ai trop le seum. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est ici. Là, tout autour de des arbres, il y a une maison abandonnée. Bon, c'est ici. Il y a des moutons ici. Là, vous voyez, il y a une petite rentrée. On va essayer d'y aller, ok? Ok, donc c'est parti. Oh la vache. Oh, je me prends des trucs. Oh la vache. Putain, je suis trop con. Je prends le mauvais chemin. Si je prends le mauvais chemin, moi. Oh putain. Hop. Oh la vache. Qu'est-ce que je ferais pas pour du divertissement, sérieux? C'est bon. Oh, ah, 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 ça fait mal. Oh, sa mère. Ah, ça pique. Il faut que je m'accroche à quelque chose. Oh. Oh. C'est bon, j'y suis. J'y suis à l'endroit. Regardez. Voyez? Il y a un grand truc abandonné. On va commencer par là. Ici, il y a un lit. Ok. Oh la vache. Ça fait bien bader. Hein. Faut qu'on aille là-bas, pardon. C'est l'endroit que. L'urbex que je voulais tant visiter. Putain, par contre, je suis vraiment tout seul. Imagine, il y a quelqu'un. Putain. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'y étais, j'avais l'impression que on m'observait. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un avec moi. Et ça, c'est vraiment pas une blague. Je ressentais vraiment quelqu'un à chaque fois. Comme vous pouvez le voir, je regarde à chaque fois parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un. J'entendais des petits craquements et ça faisait vraiment bader. Putain, on peut pas passer ici. On va passer parce qu'il y a un... C'est bloqué. On peut peut-être aller là-dedans. Je sais pas si on a vu. Je pense pas qu'on va monter ici hein, parce que regardez. Oh la vache. Vous voyez? Oh la vache. Putain, ça fait bien bader. Hein. Je pense que je vais pas faire un urbex complet. Ça prendrait trop de temps et en plus je suis tout seul. Comme vous le voyez, là je suis en train de regarder encore. Preuve que vraiment c'est pas fake. Regardez. Ici c'est là où il y avait les chevaux, etc. Voilà. Et là il y a un petit autre endroit. Là-bas aussi il y a la maison principale. Mais on peut pas y aller. Ah là c'est complètement défoncé ici. C'est défoncé. Ça s'est écroulé. C'est dangereux en vrai de vrai. Mais... C'est beau. Ici, il y avait la salle de bain. Parce que je vois ça. Putain, regardez-moi ça. Tout est cassé, etc. Il y a plein d'endroits à visiter. Mais il y en a plein qui sont bloqués. Vous voyez? Il y en a beaucoup qui sont bloqués. Là, il y a une autre maison. En fait, il y a la maison ici, tout ça. Il y a là-bas où c'est la grange. Et là, je sais pas ce que c'était, mais on va aller voir ce que c'était. Vous avez vu l'escalier, et c'est sûr qu'il tient pas, donc il vaut mieux pas y aller. Ici, je sais pas ce que c'était. Bon. Voilà. Vous voyez, la maison de loin comme ça. On était là-bas. Vous voyez, il y avait que ça. C'est pire que des trucs bachelés, ça, en plus. Hein. Ah, mais vraiment, hein. C'est des trucs qui t'accrochent, etc. Ça pique. Oh, faut pas y aller. Mais ici on peut peut-être y aller sans souci. Voilà. Ici il y avait la grange avec
ouais, d'accord. Ok, ok. Il y a plein de papiers, etc. De journaux. Des bouteilles. Vraiment, cet endroit, waouh! Ça regorge de, je pense, de secrets, etc. Oh la vache! Il y a plein de choses à visiter, etc. là-dedans. Malheureusement, on pourra pas aller partout. Vous voyez, moi j'ai pas dû passer par là, hein, parce que c'était bloqué. C'était bloqué, enchaîné. Bon, c'était une courte vidéo, mais au moins on a vu à peu près ce que c'était que l'urbex. Enfin, que ce qu'il y avait autour de chez moi. Donc il y a un urbex comme ça à visiter. J'ai pas été dans l'endroit principal. On voit, est-ce qu'on voit la maison? On voit la maison, je crois. Ouais, on voit la maison. Je vous jure que tout seul ici, c'est en même temps kiffant, mais en même temps badant. Oh la vache! Même là, vous voyez, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Oh la vache. Hop. Oh. Oh voilà. Oh. Oh. Ok, bon. Voilà, on a fini l'urbex. Je suis avec mes potos là. Faites un sourire. Mais vous barrez pas. Pourquoi vous vous barrez? Bon, bah ok. Bah je crois qu'ils veulent pas de moi. Bon bah c'est pas grave. Quand j'ai fait vite fait le tour de l'urbex. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Elle était courte. Vous voyez, tout seul, c'est chaud, hein. Pas pour tout visiter, je vous ai quand même montré un petit peu les lieux. Je me souviens que j'avais été un jour dans la maison principale. Mais là, par contre, c'est bloqué. Donc bon, c'est dommage, je peux pas vous montrer. C'est dangereux quand même. Il y a des endroits qui se sont effondrés. Cette maison, elle est vieille. Par contre, la dernière fois que j'ai été, il n'y avait pas les moutons. En tout cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Oh non, mes chaussures. Oh non, putain. Faudra que je les lave là. Donc à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao.